festival met en scène. On va voir si vous le connaissez. Dans les allées du jardin, c'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. C'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. Voilà, c'était l'idée de base, c'était cette cruche où les animaux se cachent à l'intérieur. Et après, c'est moi qui fais intervenir Loublou, j'ai changé les personnages, j'ai vraiment tout modifié pour le seul lien. C'est les personnages qui se cachent dans la cruche. Voilà. Et c'est un conte qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres civilisations. C'est aussi la moufle, hein. C'est un peu le même principe. Amis la population ! Amis la population ! Aujourd'hui, c'est un grand jour de fête ! Approchez, maintenant les paysans, la retourne ! On fouette publiquement ! Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Thank you.
3, les hirondelles. Oui, super. La scène. L'argent. Non, la scène, savoir qu'on est regardé par des milliers de personnes que nous on voit pas. Et le fait de jouer, ouais, en fait, incarner quelque chose qui n'est pas dans la vraie vie. C'est ça, pouvoir jouer des pièces de plusieurs univers différents. Et c'est un plaisir en plus de collaborer avec d'autres acteurs de grand talent. Oui, c'est la deuxième année et on est toujours aussi bien accueillis. Et je crois que c'est une très belle expérience pour les élèves du lycée qui se retrouvent devant pas mal de spectateurs et dans des vraies conditions professionnelles. Donc c'est très très bien pour eux. Là, c'était leur première représentation de ce nouveau spectacle, de leur spectacle de cette année. Et bon, on les sentait un petit peu tendus, mais bon, ils avaient envie de réussir et de faire plaisir aux spectateurs aussi. Possible malgré les bugs. À personne. Le plus important, c'est le public. D'un temps bref, de l'infiniment bref. Mais nous l'avons vaincu. Nous sommes plus forts que ce temps-là. Il y a déjà plusieurs dizaines de milliards de nanosecondes que mon amour dure. Laissez-moi tranquille, je ne vous écoute pas. Depuis plusieurs années, j'ai demandé à un certain nombre de femmes de partir avec moi. Elles ont toujours refusé. C'est toujours un plaisir de jouer, que cette salle est absolument divine, que c'est très sympathique, qu'on a passé un super moment. Oh, Madame Valentin, très belle. S'il a trouvé quelle pour le remplacer. Nous avons quelqu'un pour le représenter. Et sûrement, les filles, c'est pas lui, quoi. Il aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour le représenter. C'est vrai, elle connaît beaucoup de monde. Quelquefois, les séances de conseil se terminaient. Oh, et comme il fait chez elle, il ne pouvait pas dire autre chose. Je comprends le tout, Madeleine. Break total, c'est dommage, une victoire d'avance pour lui. Cette victoire, c'est celle, alors que l'extrême centre, et que les rien qui avait tiré. Ah non! Moi, je crois pas! Quoi? Vous parlez de quoi? Un disque! Ça nous prend un disque! Tu as un disque? Embarque-moi sur le disque, j'ai un pompon! Comme ça, tu me montres le chemin, tu me dis. Allez, vas-y. Fais confiance en toi, Jean-Paul. Fais confiance en toi, Jean-Paul.
Et c'était une bleue. Je le sais. Imagine une pente à poche. Allez. Pipi. D'accord, et vous êtes passé par quelle ville alors? On est passé tout d'abord par Paris, ouais. Ensuite on est allé à la Ciotat, Marseille, Chypre, Aix-en-Provence, Avignon. Avignon. Et super. Maintenant, la belle ville de Toulon. De Toulon. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du public? Super. Ouais. Super public, chaleureux, incroyable, délicieux, très ouais. Réactif, on a adoré. Vraiment, vraiment avec. Super. Bon, bah, oh, ça fait du bien la fraîcheur. C'est donc l'heure de l'apéro, si vous avez envie. C'est un photo avec moi. C'est l'heure de l'apéro. Ah oui, c'est ça. Ah, Samuel, bien d'abord.